Aujourd'hui, on est le 1er septembre. C'est le début de l'automne. Les jours commencent à raccourcir. Alors, ça sonne le début de la migration pour beaucoup d'oiseaux. Et sur les sommets jurassiens, c'est des endroits de halte très importants. Il y a beaucoup de passereaux qui s'y arrêtent. Et il y en a un particulier, un limicole, qui m'intéresse aujourd'hui. C'est le pluvier guignard. Donc je vous emmène pour essayer de l'observer. On verra si on a la chance de le voir. J'ai encore 1000 mètres de dénivelé à faire. Et on va gentiment se retrouver là-haut. Allez. Ça y est, j'ai dépassé la limite des arbres. Je suis maintenant dans la zone où les pluviers peuvent être. Les pluviers, ils se mettent souvent juste derrière le sommet, donc vraiment assez en altitude. C'est l'endroit où ils peuvent trouver le plus de criquets et où il n'y a pas trop de hautes herbes où les prédateurs pourraient se cacher. Donc on va essayer d'aller voir si on les trouve. Allez, maintenant on va passer toute la zone aux jumelles et peut-être espérer les voir. J'ai pas trouvé les pluviers ce soir, j'ai bien cherché, mais vu que c'est des oiseaux hyper mimétiques qui se fondent extrêmement bien, ils ont pas spécialement peur de l'homme, alors on peut passer à quelques mètres sans qu'ils s'envolent. C'est des migrateurs nocturnes, alors avec un peu de chance ils vont arriver cette nuit et demain matin on les verra. Et s'ils sont pas là, on verra d'autres choses. Je pense qu'on a de fortes chances de voir des chamois. Alors je vais gentiment installer ma tente avec la nuit qui tombe et avec un peu de chance on va encore voir quelque chose ce soir. Le soleil vient de disparaître derrière les montagnes et je viens d'apercevoir un chamois qui broute juste un peu en contrebas. On voit tout de suite.
Le jour se lève gentiment. La lune n'est pas encore, a pas encore disparu derrière les montagnes. Il y a de la brume qui recouvre un peu toute la plaine. Et on va gentiment se mettre en marche. Je vois un chamois là-bas. Vers deux chamois. Donc on va tout de suite essayer d'aller les voir. Ce matin aussi, les pluviers restent introuvables. Ils sont peut-être à plusieurs milliers de kilomètres d'ici. C'est impossible de savoir. Je vais plier ma tente et puis me diriger pour redescendre en dessous de la mer de brouillard. J'ai pas très envie, mais bon. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !